Hey, salut à tous! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. Donc, c'est un colis qui nous vient tout droit de chez Microphone. Donc, je me suis laissé tenter à faire une petite commande chez eux. Alors, on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc, en réalité, j'ai déjà ouvert le colis, hein, mais j'ai ma vidéo qu'a foiré. Donc, hop, je rouvre vite fait. J'ai mis juste un morceau de scotch pour. Pour pas que ça se voit trop, hein. Alors, hop. C'est pas facile de filmer avec le téléphone. Je me dépêche. Yep, voilà. Donc, hop, c'est ouvert. Voilà. Donc là, il y a le mode d'emploi et la facture. Je mets ça de côté. On s'en fout. Alors, hop. Le petit nid qui est ici. Donc il s'agit d'un module de fondation pour moyennes et grosses espèces. Voilà, on va voir ça. Hop, le carton, on met ça de côté. Voilà, hop. Voilà, j'avais déjà ouvert un, pas un secret, hein. Donc voilà le petit module de fondation. Alors par contre, ouais, il est de toute beauté, vraiment, je suis pas déçu. Hop, je vous filme un petit peu du dessus, même si bon, rien de secret, hein. Tout le monde connaît les microphones maintenant, hein. Hop, voilà. Alors par contre, il y a juste là, il a dû prendre un coup. Je suis un peu déçu, mais bon. Ça a pas l'air d'être trop méchant, et bon, c'est les risques. Hein. Disons que les transporteurs ne sont pas forcément tendres avec les colis. Alors, ce petit module donc va servir pour ma fondation de Camponotus liniperdus. Donc, je vais l'installer dedans et on se retrouve tout de suite après. Et donc, voilà. Les fourmis sont installées dans leur nouvelle demeure. Donc le petit module. Alors bon, elles sont encore un peu affolées du déménagement. Hein. On voit la gine ici qui est dans l'aire de chasse en train de se balader. Elle doit récupérer le reste du couvain. Alors elles sont désormais au nombre de 4, ou bon, 3 avec les ouvrières quoi. Alors, il n'y a pas grand chose à dire hein, depuis le dernier blog, si ce n'est que ben elles sont super longues au développement quoi. Alors, le couvain, on va faire un petit zoom dessus. Voilà, donc il est composé de quelques grosses larves et quelques petites larves, donc il n'y a plus d'œufs pour le moment. Donc là, les grosses larves sont, je pense, au dernier stade. Mais elles tardent un peu à faire leur cocon. Donc ouais, on voit la gine ici qui est en train de récupérer une petite larve. Voilà, on la voit là, ici. Toc, je pense qu'elle va aller s'empresser de la mettre avec le couvain. Voilà. Voilà pour le couvain et pour le reste. Alors je vais pas les embêter plus longtemps. Je vais les laisser s'installer dans leur nouveau quartier et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous!